Monsieur le président de la communauté des communes. Il est là. Monsieur le maire honoraire de Rouette. Mesdames et messieurs les élus du Seignan, chers collègues. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, responsables associatifs et éducatifs. Mesdames et messieurs les représentants des gendarmes et des pompiers qui sont ici présents chez les élus. Monsieur le curé. Mesdames et messieurs, chers amis. Bienvenue à tous. Une nouvelle année est toujours porteuse d'espoir. Pourtant, en 2015, lors de cette même cérémonie des vœux, j'étais revenu sur les terribles attentats qui avaient secoué notre pays. Des actes de barbarie contraires à nos valeurs républicaines qui se sont hélas reproduits il y a peu. L'année 2015 restera empreinte de tristesse. J'espère aujourd'hui que nous allons vite retrouver l'esprit de liberté et de fraternité qui fondent les valeurs de notre pays. Et c'est dans cet esprit d'ouverture aux autres et de tolérance que je vous présente, ainsi qu'au nom de l'équipe municipale, mes meilleurs voeux de santé, de réussite personnelle et professionnelle, et surtout d'apaisement et de sérénité pour cette nouvelle année. Alors, que pouvons-nous nous souhaiter pour Saint-Martin en 2016 ? Le respect de la République ? Pouvons-nous espérer que cette année ne se reproduise pas l'affront fait à la République ? La République est un bien précieux que nous avons en partage. Et à Saint-Martin, nous avons à cœur de la faire vivre au quotidien en promouvant la liberté d'expression et la démocratie participative. Le respect de la démocratie, notre territoire du Seignan, auquel je suis particulièrement attaché, a connu lui aussi des événements inquiétants. Je ne me suis pas exprimé publiquement lors des dernières élections départementales et je tiens aujourd'hui à le faire de vive voix. La démocratie a été bafouée, vous privant de vous exprimer pleinement. Un seul candidat au second tour. C'est dire le mépris de certains politiciens pour la démocratie et la liberté d'expression. Un mépris qui m'a été opposé sans dialogue possible, ni aucune alternative. Un mépris pour ma personne, mon équipe et tous les électeurs du canton. On peut se poser la question de la légitimité de ceux qui ont été élus. Ce qui est certain, c'est que le chantage ne donne pas de légitimité. Dans ces conditions, comment nos concitoyens peuvent-ils encore croire en la politique ? Inquiétude, mécontentement et incompréhension ont eu pour conséquence les résultats que l'on sait, une montée en puissance de l'extrême droite au sein même de notre commune lors des élections régionales. Nous avons, plus que jamais, nous devons nous recentrer sur l'essentiel et construire l'avenir plutôt que de mener des batailles politiciennes stériles. Que le débat s'élève enfin, et ce pour la pérennisation de notre territoire. Localement, la majorité communautaire et moi-même, nous nous sommes donné les moyens d'avancer. Nous avons pris nos responsabilités en prenant des décisions parfois difficiles, notamment lors du vote pour la mise en place de la TOM. Une décision prise par obligation pour financer la gestion des ordures ménagères est nécessaire pour subvenir au financement de ce service aux usagers. J'en profite pour rappeler qu'à travers cette contribution versée au SITCOM, la communauté de communes du Seignan finance la réalisation de la nouvelle unité de valorisation des déchets qui coûtera plus de 100 millions d'euros, mais aussi à financer en 2015 la déchetterie de Tarnos pour 1 million d'euros. Je tiens aujourd'hui à rappeler mon soutien au président de la communauté des communes du Seignan, Éric Guilletot, ainsi qu'à l'ensemble des conseillers communautaires qui ont tenu bon quand certains souhaitaient déjà voir l'absorption de notre communauté par des communautés voisines.
Notre communauté des communes porte aujourd'hui le développement économique de notre territoire et nous en sommes témoins à Saint-Martin-de-Seignan avec le succès que connaît la zone d'activité de Souspès, mais aussi avec le démarrage dès cette année des allées shopping à Rondre. Notre communauté des communes, qui accompagne financièrement les opérateurs de logements sociaux et qui en finance des logements diffus sur le Seignan pour des jeunes, ainsi que le foyer des jeunes travailleurs situé à Tarnos, et demain fera la même chose pour les seniors. Notre communauté de communes, qui connaît chaque année, à travers son festimé, une animation de toutes les communes du Seignan. Notre communauté de communes, qui s'engage pour notre environnement à travers le financement du CPIE situé à Saint-Martin-de-Seignan, mais aussi des acquisitions d'espaces sensibles comme à Saint-Laurent-de-Gosse avec la tourbière de Passebain. Notre communauté de communes qui accompagne le développement du tourisme en hébergeant et finançant l'Office de tourisme communautaire sur Rondre. La liste est longue, mais je ne peux pas ignorer le rôle du CIAS, financé par notre communauté et qui intervient sur les 8 communes du Seignan à travers ses aides à domicile ou des portages de repas pour celles et ceux qui en ont besoin. Comment pouvons-nous encore nous poser la question de l'importance de notre intercommunalité? J'en profite pour saluer le travail des équipes de la communauté et notamment les agents du CIAS qui, plus que jamais, représentent par leur travail remarquable la solidarité au sein de notre intercommunalité. Oui, j'ai confiance à l'avenir et dans notre territoire. Les habitants du Seignan savent s'unir et se montrer solidaires lorsque la nécessité l'exige. Vous l'avez d'ailleurs démontré par votre générosité lors de l'incendie qui a malheureusement frappé des logements sur notre commune. Alors, que pouvons-nous encore souhaiter pour Saint-Martin en 2016? Tout d'abord, la poursuite des actions lancées en 2015. 2015 a été dédié à la jeunesse, à la parentalité, aux déplacements et aux investissements structurants en matière d'aménagement urbain et d'équipement public. Parmi les principales réalisations qui ont vu le jour en 2015, je citerai les équipements sportifs avec le plateau sport et le mur à gauche rénové, l'installation de vestiaires sur le stade Giffard, mais également des travaux importants pour la remise en état et aux normes des bâtiments publics et un entretien et une gestion optimisée des bâtiments communaux. Mais aussi des travaux de voirie et d'assainissement, notamment dans le quartier de Cantegrouille. Sans oublier, pour l'enfance et la jeunesse, la première année complète de la semaine à 4 jours et demi et de la crèche dans ses nouveaux locaux, mais la poursuite aussi du plan d'informatisation des écoles et le regroupement de l'école maternelle sur le site de Pauline Kergomar. L'instauration aussi de nombreux rendez-vous sur la parentalité. En matière de déplacement et de mobilité, le plan pluriannuel de liaison douce a pris son envol avec l'aménagement de la route de la Dour et de la route Océane. L'optimisation des dispositifs navettes plage et bus des fêtes, l'instauration de nouvelles zones de quartier, et une aire de covoiturage à Barère. Nous avons eu aussi des actions en matière de développement durable, avec l'installation de 847 panneaux photovoltaïques sur 4 bâtiments communaux. De nombreuses manifestations, organisées tant par la ville que par les associations, qui rendent la commune si animée et dynamique. Merci à tous les bénévoles associatifs pour leur dévouement au service de la ville. Nous avons eu aussi une communication accrue, avec de nombreux outils à disposition de tous, notamment la page Facebook créée cette année, qui est un relais d'information efficace. La création d'un conseil des sages, instance consultative, qui planche déjà sur de nombreux dossiers. Merci à vous pour vos travaux et votre engagement pour notre commune. Le lancement du PLUI, avec la communauté des communes, qui dessinera notre ville pour les années à venir, avec 5 axes majeurs. La sauvegarde des espaces naturels et agricoles, la densification urbaine et la création de logements sociaux, la préservation d'espaces à vocation économique
et l'incitation à l'utilisation de transports collectifs et des déplacements doux. Lors de la réunion publique qui a eu lieu ce lundi 18 janvier, nous avons pu échanger sur les grandes orientations budgétaires et les principaux chantiers pour 2016. Donc je proposerai au conseil municipal, comme en 2015, un budget équilibré de 9 millions d'euros, 5 millions pour le fonctionnement et 4 millions pour l'investissement, soit un budget d'investissement représentant 40% du budget total, que nous pouvons comparer aux 30% de l'an passé. Ce montant est ambitieux, mais il est nécessaire pour poursuivre la rénovation et la réalisation de nouveaux équipements. Parmi les grands chantiers qui nous attendent en 2016, je parlerai du démarrage de l'agrandissement de l'école Pauline Kergomard et de l'ouverture d'une bougeothèque pour nos tout-petits, de la réalisation du skatepark et la création d'un point formation jeunesse pour nos plus grands, de la fin des travaux du nouveau terrain de foot synthétique, d'un club house au Boulodrome, de la poursuite de la réhabilitation de l'espace Jean Rameau, de l'extension de la maison de la nature et de la chasse pour nos associations. Nous démarrons aussi un programme expérimental de familles témoins en collaboration avec le CPIE qui portera sur 4 thèmes: la consommation responsable, l'eau, les déchets et la biodiversité. Mais également, nous poursuivrons le schéma de Lison Douce avec le démarrage de la phase avenue de Barrère, de l'accompagnement de l'urbanisation d'un nouveau quartier, des acquisitions foncières pour de futurs équipements publics, d'un plan pluriannuel de mise en séparatif du réseau d'eau usée, et enfin, de l'aménagement du bourg dont l'appel à projet débutera cette année et qui comprend l'accompagnement de l'agrandissement de Super U et le développement d'un espace de partage entre la place Jean Rameau et la mairie. Tous ces chantiers vont dans le sens de construire ensemble une ville durable. Je terminerai par un dernier chantier, débuté en mars dernier et relatif à la future image de la ville. Suite à une démarche de concertation et de consultation, la municipalité a souhaité refondre son logo afin de valoriser l'image de la ville. Un logo plus moderne, plus épuré, représentatif du dynamisme actuel de notre ville et de ses ambitions. Nombre d'entre vous ont également opté dans ce sens en répondant au sondage qui vous a été soumis. La nouvelle identité visuelle de la ville sortira dans quelques semaines et j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour la présenter. Merci aux membres du comité de pilotage pour leur investissement dans ce projet. Mon ambition, qui est partagée par mes collègues du conseil municipal, est de permettre à notre commune de trouver sa place dans son territoire et dans ce monde en devenir. Alors, abordons ensemble, avec confiance, les défis qui nous attendent. Ils sont nombreux. Continuons tous ensemble à faire de notre commune une ville accueillante, animée, interactive et ambitieuse. À tous et toutes, je vous souhaite une très bonne année 2016.